Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rikai et je vous retrouve sur Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets. Donc, je tourne une autre journée parce que je ne pouvais pas faire d'épisode à la suite. Hein. Et on va donc voir Hermione qui a été pétrifiée. Hein, donc, après l'intérêt de voir. Surtout pas que Madame Pomme Fraîche me voit. Ça va. Hermione, mais on dirait un bout de papier dans sa main et je reconnais son écriture. Voilà ce qui est écrit. De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus mortel que le basilic ou roi des serpents. Ce serpent qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre des siècles, né d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand la terreur parmi les araignées, dont il est le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute le chant du coq qui lui est fatal. Mais comment le basilic a pu se déplacer sans qu'on le voie? Un serpent aussi énorme! Quelqu'un l'aurait vu! Les tuyaux, Ron! Il se déplaçait dans la plomberie! Quand j'entendais sa voix, elle venait de l'intérieur des murs. Aragog a dit que la fille était morte dans les toilettes. Et si elle n'avait jamais quitté les toilettes? Et si elle y était toujours? Tu ne crois pas que... Mimi Géniard? L'entrée de la Chambre des Secrets! C'est peut-être... Les toilettes, de Mimi Géniard. Que tous les élèves retournent dans leur dortoir immédiatement et que tous les professeurs se rendent dans la salle des professeurs. Merci. Oh non, pas une autre agression. Ah, et si. En bon. Effet, il y avait eu une nouvelle agression, la pire de toutes. Cette fois, quelqu'un avait disparu. C'était Ginny Weasley. Et un autre message avait été inscrit sur un mur. Il disait « Son squelette restera pour toujours dans la chambre. » Maintenant, Poudlard allait sûrement fermer. Le professeur Lockhart avait pour mission de sauver Ginny. Mais Ron et Harry étaient trop inquiets. Ils voulaient faire quelque chose. Vite, Harry, il faut qu'on sauve Ginny! Il nous faut un plan. Je vais aller dans les toilettes de Mimi Géniard et essayer de trouver l'entrée de la Chambre des Secrets. Et moi, je vais chercher Lockhart. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit en train d'essayer de filer de Poudlard. Bon allez, allons donc dans les toilettes. Et vous avez vu, il manque un secret. Frustration sur 20. J'ai hâte de pouvoir trouver des secrets qui me manquent. Et on va dans les toilettes donc. Je saurais toujours pas ce qu'il y avait dans cette porte à droite. Hein. Toujours fermée. Allez, allons donc. Bonjour Mimi. Demander comment tu es morte. Personne ne me l'a jamais demandé. Ça s'est passé dans cette cabine. Je m'en souviens très bien. J'étais venue me cacher ici parce que Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes. Et j'ai entendu quelqu'un venir ici. Il a dit quelque chose de bizarre dans une autre langue. C'était une voix de garçon. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire d'aller dans les toilettes des garçons et... Je suis morte. Où est-ce que ce garçon se trouvait? Par là-bas, près des lavabos. L'un d'eux n'a jamais marché, pas depuis que je suis ici du moins. Et personne t'a demandé si ça? Ce serait pas l'entrée de la chambre. Personne t'a demandé quand t'es morte, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ça ne marche pas. Peut-être qu'en essayant en fourche langue, ouvre-toi. Non, je dis en anglais. Et voilà, l'entrée de la chambre secrète est révélée. Oh, professeur Lockhart. Je l'ai trouvé. Il avait préparé ses affaires et il était prêt à partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est l'entrée de la chambre des secrets. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi ici, au revoir, les amis. Il faut que j'aille préparer mon balai.
Vous ne pouvez pas partir. Allez, descendez. Non. Allez, Harry, c'est ça. Bon, c'est le mec qui dit non. Allez, on saute dans le trou. On y va. Harry, une voix. Il y a quelque chose. La chambre des secrets. Je crois que je vais m'évanouir. L'aventure se termine ici, les amis. Ron! Dites adieu à vos souvenirs. Oubliette! Crevard. Ron, tu n'es pas blessé. Ron! Je suis là! Je vais bien! Va chercher Ginny, Harry! Attends-moi ici avec Lockhart. Si je ne suis pas revenu dans... À tout à l'heure. Allez. Enfonçons-nous donc dans la chambre des secrets. Trois secrets seulement dans la chambre. Ok. Tout plus simple. Vraiment, il n'y a pas d'araignée ici. Pour nous, très simple, c'est que les araignées ont horreur du basilic. Je vois mal venir ici. Oh, secrète. Là, normalement, il y a un petit tapis. Elasticus. On peut descendre. Allez. Puis ça me surprend qu'aucun fantôme n'ait jamais trouvé cet endroit. C'est suspect, non? Il n'y a pas un fantôme qui aurait pu, je sais pas, passer dans les murs, explorer pour voir ce qu'il y aurait ici. Je vais me faire écraser par ce truc. Continuons. Ah si, il y a plus d'araignées. Comment ça se fait qu'il y a des araignées dans ce bordel? Sachant qu'elles ont horreur du basilic. Je vous marche à la gueule, saloperie. Il est gentil de mourir, s'il vous plaît. La dalle d'ectoplasme. Oh, je crois que j'aime pas ça. Un truc, un secret? Non. Avance, allez. Regarde, ouais, putain, c'est pas prêt. Oula! Oh mais non, le coffre, sérieusement le coffre. Ouais, c'est gentil, bon moi je veux le coffre. Où là-bas? Bon, je vous comprenez. Je suis coincé.
Oh, les filles, la pute. Oh, et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un secret. Il y a bien fond ce qu'il y a de l'autre côté, comme au cas où, on sait jamais. Oh, regarde. Toujours sauter comme ça, parce que j'aime bien sauter comme ça, ça me permet d'être sûr de savoir ce qu'il y a derrière moi. Et donc de pas sauter à l'aveuglette. Et surtout d'avoir un mur dans le dos pour le couvrir. Le coffre. Contient le coffre, à votre avis. Oh, c'est quoi ce bruit? Bon, je suis mort comme une merde, je suis tombé. Allez. Oh non! C'est bon, j'ai compris, il y a un crève de boum à faire. Merci, je suis pas idiot. Hein. Allez, on va chercher donc notre jolie petite lumos, la torche. Qui va apparaître une plateforme lumineuse qui nous permettra donc de pouvoir atteindre l'autre côté. Bâtard! J'ai pu tomber et mourir comme une vieille merde. C'est de l'autre côté derrière. La musique s'excite beaucoup trop, je trouve. On n'a pas eux. Trou. Allez. C'est vrai, ça le prix ces merdes là. Et allez. Eh, hey, regarde en dessous. Oh, t'es même pas mort, c'est pas drôle. Oh merde, je suis con. Oh, on fait le tour. Allez, Corrigan. Ça se bien? Bon, on revient ici. On refait pas une connerie. Le coffre là, que contient-il? Le gourdeau, c'est parfait. J'ai besoin de vie pour me soigner.
Allez. Bondissons. Deux chaudrons. Faut que je prenne toutes les vies que je peux. Hein. Non prudent. Nous arrivons au bout. La chambre est secrète. Que se trouve-t-il là-bas, à votre avis? Pas les envoyer au milieu quand je fasse le tour. Ah, regarde-moi ça. Je pense que quand j'étais gosse, j'avais toujours tendance à les esquiver, ces petits cons. Et j'ai m'en soucier. C'est où? C'est pas derrière? Parce que c'est un petit peu plus loin devant alors. Vérifions quand même dans le coin. Sur 4. C'est parti de la chambre secrète. Et ici on est sur une petite cachette avec une jolie petite grenouille. Voilà, miam miam la grenouille. Oh oh. Je vais pas aimer ça. Crac. Bon bah voilà. Très profond dans la chambre de secret. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu franchis cette lumière, tu meurs. Oh, ça me plaît. Une carte de bronze, faut pas que je la rate celle-là. Putain l'enfoiré. Bon, bah je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Et salut tout le monde. Bah oui, on fera quoi au final de prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.